Salut à tous les cafardinhos, salut à tous les cafardinhas, on fait bisous à tous les frérots, on claque des fesses à tous les termas. Wouh, ça c'était pas mal ça comme petit freestyle, je sais pas si t'as aimé, mais si t'as pas aimé, j'en ai rien à foutre, je te le dis tout de suite. Allez, là on part sur un tuto, j'espère que vous allez le kiffer, on me pose la question depuis longtemps et je vais vous faciliter la vie sur des dingueries. Mais avant tout, je tiens à vous demander un maximum de love, donc merci à tous ceux qui partagent le tuto, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, ou votre liste d'amis sur Steam, ouais, va voir les tutos Malek, va voir si va voir ça. Voilà, big up à tout le monde. Voilà, on essaye de grind YouTube, on essaye de grind Twitch. Bref, on s'en fout. Je veux de l'amour de tout le monde. J'essaye de vous aider un maximum et je remercie chaque personne qui fait passer le mot autour de lui. Voilà, c'est super important. Donc merci à ceux qui s'abonnent et qui partagent. Aujourd'hui, on est sur Counter-Strike Global Offensive. Bah oui, figure-toi qu'on est sur Counter-Strike Global Offensive. Ceux qui mettent le code MALEXSGO sur Fortnite, gros love sur vous. Alors, on est sur le jeu. Comment on fait pour lancer un mode d'entraînement avec le temps illimité, les grenades illimitées, avoir les trajectoires, etc., etc. Vous allez là, vous faites entraînement avec les bots, vous allez lancer sur Mirage par exemple, ou sur n'importe quelle autre carte, on s'en fout. Vous lancez comme ça, vous pouvez le faire lancer à plusieurs. D'abord, vous allez sur une room. D'accord, vous allez sur une room comme quand vous lancez en matchmaking. Dès que vos potes sont dessus, vous faites lancer avec les bots. Voilà, vous allez host un serveur. On appelle ça host un serveur. Quand vous êtes sur le jeu ici, vous allez faire exec practice. Et ça va exécuter toutes les commandes que je vais vous donner. Que je vais vous donner, je répète, je vais vous les donner ces commandes dans la description. Et là, vous allez pouvoir acheter absolument tout. Vous allez avoir les trajectoires des grenades. Vous allez avoir le choix impact, d'accord. Si vous voulez pas le choix impact, que vous voulez pas voir les balles, vous ouvrez votre console, SV, show. Là, vous allez impact et vous mettez 0. Et là, vous n'avez plus le choix impact. Voilà, vous pouvez acheter absolument partout. Donc, si vous êtes là, hop, tu vas acheter une AWAP, hop, tu vas acheter un scout, tu vas acheter une hog. Enfin, bref, on s'en fout. Tu achètes ce que tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus. Comment on fait pour configurer la CFG? Donc, on va aller sur le bureau tout de suite et je vais vous montrer ça immédiatement. Vous allez ouvrir votre jeu, enfin, ce PC là, vous allez ici, voilà, votre disque dur, programme, Steam, Steam Apps, Steam APPS, comme vous voulez, on s'en fout, Common, Counter-Strike, Global Offensive, CSGO et CFG. Et là, vous allez avoir, on va taper practice, on s'en bat les couilles, vous allez avoir practice et practice aircon. La différence entre les deux, il n'y en a aucune. Elles ont exactement les mêmes commandes, mais il faut avoir les deux. Enfin non, ou pas. Si vous êtes, que vous allez lancer juste sur le jeu comme je viens de faire, il faut juste practice. Pour ceux qui sont en équipe, qui ont des serveurs privés, que vous payez 20, 30, 40 euros par mois sur OVH, sur Very Games, sur, je sais pas moi, OCR, tous les serveurs privés, il faut le aircon. Mais bon, en général, si vous avez un serveur comme ça, vous savez normalement avoir une exec. Mais bon, je vais mettre les deux fichiers. Je vais uploader les deux fichiers et je vais vous mettre un fichier téléchargeable dans la description des deux. Vous les mettez dans la CFG et puis c'est tout. Et là, on lance le jeu comme je viens de le faire. Et vous allez être là et vous faites exec practice. Quand vous êtes sur un serveur privé, vous faites exec practice aircon. Parce que moi, je les ai appelés comme ça. C'est pour me rappeler, c'est des moyens mnémotechniques. Donc là, par exemple, vu que j'ai refait exec, bah, ça me restart le serveur. Donc là, hop, on fait ça. Si vous voulez des armes, par exemple une AK-47, mais que vous êtes en CT, bah, vous faites give, plus loin, weapon-AK-47. Ça va vous donner une AK-47. Mais sinon, si vous voulez pas vous faire chier, vous switchez de camp, et puis c'est tout. Ce que cette CFG va vous permettre de faire, c'est tout simplement, voilà, hop, travailler des petites grenades comme ça. Voilà, on va vous en donner deux. On va vous en donner deux bonus comme ça à partir de là pour des petites retakes. Hein, ça fait plaisir, une petite smoke comme ça là de très loin. Là, pour retake, hein. Double tuto en un tuto. Bah oui, double pénétration pour toutes les putes de France. Hop, on n'a rien dit. Voilà les potes, j'espère que ça vous fait kiffer. Je vous demande un maximum de soutien juste sur le partage. On retweet, on like, on publie des stories sur Instagram, on me mentionne, je veux du tuto Malek partout. Voilà, ceux qui sont sur Fortnite et qui mettent mon code, grosse force à vous, ça me permet de gagner des thunes. Faut le savoir, ça me permet de gagner des thunes sans rien d'avoir à faire. C'est totalement gratuit pour les gens. Donc ouais, on le fait pour l'argent, mais parce que les tutos CS, il n'y a pas de code Malek CSGO sur CS, tu vois ce que je veux dire? On gagne 0 avec CS. Donc bah, on va chercher l'argent où on veut, où on peut. Voilà. Et ceux qui valident, bah, merci beaucoup. Ceux qui comprennent pas, je suis désolé, on n'a pas été éduqués de la même manière, les potes. Je préfère faire ça qu'aller braquer des boulangeries, des maçons, des plombiers, des gens qui travaillent honnêtement et aller leur prendre leur argent. Je préfère faire ça, je vole personne, je demande juste de l'aide
à ma communauté, OFC Cafardinho, et puis c'est tout. Bisous à tout le monde, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous avez ton description, je vous ai montré la méthode pour comment lancer le serveur, comment mettre la CFG dans votre racine du jeu, on appelle ça la racine du jeu. Et voilà, si vous avez des suggestions de tuto et tout, et tout, et tout, et tout, on balance dans les commentaires. On balance fort, fort, fort. Bisous à tous et à toutes, surtout le tout. On va pas se mentir, on aime que les meufs.